Oh mon dieu, les gens, faut que je vous montre un truc. Alors là, vraiment, je pouvais pas aller me coucher sans vous montrer ça, c'était impossible. Bon, si vous êtes pas au courant, il est 23h30, il faut que j'aille me coucher parce que demain je travaille, je sais pas quoi, blablabla. Bon, enfin, vous verrez peut-être cette vidéo qu'à 14h demain, enfin, bon, on s'en fout. Ou après, non, ou après, après, non. Enfin, bref, fallait vraiment que je filme ça parce que c'était vraiment inédit et ça m'est vraiment arrivé sur le moment là. Il fallait que je le filme parce que c'est, si tu vois, c'est le sujet typique qu'il faut parler et tout sur Monster Planet et c'est les arnaques, tu vois. C'est tout le monde se fait arnaquer sur Monster Planet et là, c'était vraiment le bon exemple. En fait, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf comme c'est magique ce que je viens d'avoir là tout de suite là. C'est trop bien, trop bon sujet de vidéo. J'adore quand ça se passe comme ça. Putain. Oh, pardon, excusez-moi. Salut tout le monde, c'est Milo Kimiko. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc, moi ça va bien jusqu'à ce que je reçoive un petit message. Enfin, bref, on s'en fout. Donc, j'ai reçu un message aujourd'hui, bah tout de suite. voilà, bref. De Livia06 là. Bon, bah, vous savez comment je suis. Je me cache pas de vous. Voilà, je vous dis tout, je vous dis tout, je vous avoue tout. Voilà. Donc, elle m'a contacté tout à l'heure en me disant coucou, est-ce que ça te dit qu'on fasse un échange dans le style échange, genre toi tu commences et moi je complète. Ou sinon, je te demande ton haut drip contre ce que tu veux. Point d'interrogation. Bon, en fait, surtout, j'étais dans ses looks, machin. J'étais regardé un peu ce qu'elle avait et en fait, elle a rien qui m'intéresse. En fait, je m'en fous quoi. Donc, quand y a rien qui m'intéresse, je vais pas faire un échange en plus d'un haut drip contre ce que je veux quoi. Tu vas m'échanger quoi, une coupe contre une coiffure contre un haut drip? Non, je fais la collection. Enfin, bref. Et du coup, bah, je lui ai dit, t'as rien qui m'intéresse. Voilà. Et tout le temps, elle me dit, bah alors, en gros, c'est pas juste que bien sûr, je tiens à préciser. Bah alors, à la place, un souhait plus 3 autos. Non, ça ira parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Je vais pas t'offrir un drip entre 3 autos et un souhait. Non, merci. C'est pas trop mon genre de faire ce genre d'échange. Sachant que ce n'est même pas, je suis sûre, un vrai échange. Elle me dit ok. Et moi, je pensais pas qu'elle allait faire ça. Donc, moi, je clique sur son profil et bam! Regardez-moi ça. Elle m'a bloqué! Elle m'a câblé! J'ai rien dit, j'ai rien fait. Elle m'a bloqué. Après, les gens vont penser que c'est moi qui est méchante. Comme d'habitude, c'est moi qui vais passer pour la méchante. Alors qu'il y a bien marqué, cet utilisateur vous a bloqué. Enfin, t'as bloqué, j'en sais rien. Tu me vois pas, je fou. Mais il m'a bloqué pour ça. Enfin, j'ai pas compris pourquoi. Je lui ai rien fait. Je l'ai pas insulté. Je lui ai rien dit. Je lui ai juste dit que ça ne m'intéressait pas. Enfin, je vois pas. Est-ce que je suis vraiment méchant? Dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que je suis vraiment si horrible que ça? Enfin, dites-le-moi parce que là, je suis un peu perdue. Enfin, bref, je vais pas pleurer pour ça. Donc, qu'est-ce que je raconte? Enfin, bref, c'est pour vous prévenir de toutes les arnaques qu'il y a sur Movistar Planet. J'ai connu un peu la stratégie. Je vois un peu ce qu'elle a voulu faire. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont savoir ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu que je commence pour ensuite me bloquer. Ça, c'est la grosse astuce. Mais faites attention à ce genre de personnes un peu toxique, tu vois, parce que je vais pas hésiter à le dire, parce que me bloquer pour un truc comme ça, c'est vraiment n'importe quoi, sachant que je l'avais en ami, c'est vraiment n'importe quoi. C'est la première à dire, oh, je suis fan de Milo Kimiko, hein. Je l'adore, putain, hein. Mais je l'ai keblo, parce qu'elle a pas voulu me donner un drip. Non, sérieusement, c'est chiant en fait. C'est ce genre de fille qui voilà, qui essaie d'arnaquer. Enfin, voilà, c'est juste pour une petite prévention, voilà, comme le Covid. Faites attention à ce genre de personne toxique et voilà. Une personne qui te bloque pour ça, c'est forcément une personne qui a voulu t'arnaquer, mais pur et dur. Donc, ouais, voilà, fais attention. Quand tu reçois ce genre de message, tu n'acceptes pas, hein, d'accord? Même si elle a le plus beau des dribbles, le plus beau des pixels. Non, elle s'en fout, viens me voir, je te donne un pixel si tu veux. T'en manges pas de ce genre de situation parce que sinon, je pense que tu vas vite te faire arnaquer. Je sais que moi, je me suis déjà fait arnaquer tout au début. J'étais vraiment très naïve et j'avais offert un truc et le gars m'avait bloqué. Et oui, c'était un homme en plus d'un gars. J'avais bloqué, mon dieu, quelle déception. J'espère que tu passeras jamais sur ma vidéo si jamais tu vois ma chaîne. Je te déteste. Et toi, Livia, maintenant je te déteste aussi. Voilà, je ne t'aime plus. Voilà. Et bref, il y a des coups de feu chez moi. Je ne comprends pas pourquoi. Qui me motive, j'ai rien fait. Bref, bah, sur ce, je vais aller chialer dans mon coin. Je vais mettre sous ma couette en PLS et je vais aller pleurer mes morts. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram et mon Discord. Voilà. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, enfin on s'en fout, une bonne matinée, bonne nuit aussi. Je vous fais de gros bisous et faites attention à vous et à votre compte Movistar Planet. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!